Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons parler d'un animé qui ma foi est assez long, que pour faire une vidéo de sujet dû regarder entièrement, je parle bien sûr de Walking, ou Wanyaria. Et dans cette vidéo je compte présenter l'œuvre, la critiquer, dire ce qui va et ce qui ne va pas, l'analyser et ensuite aborder la suite, c'est-à-dire la saison 5, ou tout simplement d'une suite sous un autre format. Nous pouvons donc lancer l'intro. Walking est de base un manga écrit par Karino Takatsu et édité par Square Enix et a été publié du janvier 2005 à novembre 2014 et comptabilise 13 volumes avec un spin-off. www.working écrit et publié par les mêmes personnes et il est sorti du 25 juillet 2015 au 25 avril 2017 et a que 6 volumes. Ce spin-off pue la merde d'ailleurs comparé à l'œuvre originale, mais bon. Et ensuite, 3 saisons en animé sont sorties, réalisées par Yumi Kamakura et produites par les studios AM Pictures du 4 avril 2010 au 26 décembre 2015. La première contient 13 épisodes, la deuxième aussi, et la dernière contient 14, qui comprend un OAV de 45 minutes. Et finalement, le spin-off en manga se verra adapté en animé et est sorti du 1er octobre au 24 décembre 2016 avec un total de 13 épisodes. Walking nous raconte les aventures, ou plutôt les mésaventures de Satou Takanashi, qui est recruté par Popura Taneshima pour travailler dans le restaurant familial qu'est Wanyaria. Il est passionné par les choses mignonnes et petites et donc flash sur Taneshima-san. Il a su s'adapter rapidement à son lieu de travail et vit lui-même avec 4 sœurs, dont 3 plus âgées que lui. Il a une sorte de dégoût pour les femmes âgées à cause du traitement subi par ses sœurs. Nous avons ensuite Taneshima-san, qui est l'idéal de Sota. Elle est très petite, mais très complexée par cette petite taille, et les clients la prennent souvent pour une écolière, et admirent très fortement le côté féminin de Sota. Nous avons ensuite Mahiru Inami, qui est androphobe et donc terrifiée par les hommes, et ne peut s'empêcher de les frapper à leur vue. Cette peur vient de son père, qui lui disait petite que tous les hommes étaient des loups, et qu'il ne fallait pas se marier, et donc vu qu'elle travaille dans le même restaurant que Sota, le pauvre se prend souvent des droites de cow-boy tous les quarts d'heure. Il y a Kyuko-san, qui est la gérante du restaurant, mais qui pourtant ne branle rien et ne fait que piquer dans les stocks. Mais elle pense néanmoins que l'employé passe avant le client et donc prend très soin de ses salariés. Il y a Chio, qui aime passionnément la gérante et ne fait que parler d'elle, et qui se trimballe souvent avec un katana partout dans le restaurant. Satou, qui ne fait qu'écouter ses histoires à propos de la gérante, mais lui-même est amoureux de Yachio et en a donc marre qu'elle ne le voit pas et soit obnubilé par la patronne. Outre ça, il est le cuisinier et est assisté par Suma, qui est l'espion de service. Il sait tout sur n'importe qui et collectionne les dossiers des gens avec délicatesse. Personnellement, j'adore ce personnage. Après, il y a Yamada-san, qui a fugué de chez elle pour travailler car elle a l'impression de ne pas recevoir assez d'affection. Oto-san, qui est le fondateur du restaurant, mais passe son temps à essayer de retrouver sa femme qui s'est perdue en achetant du lait et amène souvent des souvenirs de ses voyages à la patronne. Et pour finir, Matsumoto, qui doit être sûrement la plus normale du lot, mais cette normalité la rend tendue et se demande elle-même si elle est vraiment normale, ce qui fait d'elle quelqu'un de pas normal. Walking est tout d'abord un slice of life et a pour but de nous faire rire, et ça marche bien. J'ai rigolé à certains intervalles, mais c'est le genre d'animé qui te fait garder le sourire tout le long tellement c'est agréable à regarder. Pour moi, cela devait être de base un animé de transition, mais j'ai été surpris, il n'y a pas de réelle intrigue, mais l'animé le compense grâce à ses personnages mignons et au rythme de vie très bien tenu de la série. L'instrumental est très très bien utilisé et l'atmosphère posée, vous vous croirez peut-être vous-même dans le restaurant. L'œuvre commence doucement et ensuite les choses s'améliorent et deviennent meilleures. Les relations avec tous les salariés progressent. Nous soulignerons aussi le chara-design des personnages qui sont aux couleurs chaleureuses et joyeuses, et la conception des personnages complète leur personnalité. Ils sont utilisés bien pour faire mignon du genre de l'opening, et cela correspond parfaitement à l'univers. Mais là où l'anime fait fort, c'est dans les caractères des personnages. Les personnages sont tous uniques, sans montrer pour autant des stéréotypes évidents du genre elle c'est une sudérée, etc. Et chaque trait de personnalité est utilisé et exploité à des fins comiques. Ceux-ci sont même très intéressants et ne sont pas là juste comme ça. Ils possèdent tous un raisonnement profond, ce qui donne de la vie aux personnages et à l'environnement. Donc, vous l'aurez compris, Wanyaria est un bon slice of life à regarder. Tout est dans le domaine de l'humour et du kawaii, avec des personnages à forte personnalité qui vous marqueront. Je vous conseille donc de le regarder sans plus attendre pour vous faire un avis. Pour clôturer cette vidéo, je dirais que par rapport à une cinquième saison, parce que oui hélas, il y a eu le spin-off, qui enlève tout le charme de la série à mon goût. Mais bon, ce dernier opus n'aura pas beaucoup plu et a fait certains désintéressements vis-à-vis de la série, et il n'y a hélas plus rien à raconter. Il faudrait quelque chose à adapter en animé, et vu qu'avec les animés du moment qui vont sortir, les studios 1 risquent d'être très occupés. Donc vous l'aurez compris, c'est un zéro chance, parce que oui, je ne suis pas juste là pour vous faire rêver.
arriver, je suis aussi là pour vous dire stop et d'arrêter d'espérer car il n'y a plus d'espoir. En tout cas, pour l'instant, et je vous dis ça, même si cela me déplaît à moi-même. Je vous remercie, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye!